Antoine, t'es dans quel état d'esprit? Quel état d'esprit sans trop de pression? J'ai fait une bonne préparation les jours d'avant et les semaines d'avant. J'ai fait trois courses la semaine dernière, donc ça m'a fait un bon enchaînement et j'ai bien fait le job derrière avec la récupération, etc. Donc non, tout va bien. Après voilà, c'est un championnat, c'est une journée où il faut être bien, donc on verra bien demain, mais pas trop de pression, il faut juste mettre juste la bonne pression et ça tout ira bien. Tu as fait le choix de recourir avec les espoirs. Ouais, tu peux nous expliquer pourquoi? J'avais décidé en début de saison avec l'équipe, j'avais dit que j'allais courir en espoir, donc du coup pas mal de gens m'ont dit tu cours en élite ou tu fais espoir, mais j'avais dit depuis le début de saison que je faisais espoir, donc du coup c'est resté sur le choix de faire espoir, du coup voilà. Tu es forcément ultra attendu, quoi. Ouais, ultra attendu, peut-être pour les gens, peut-être, mais après, sur un championnat, c'est ce que je dis, il y a plein de personnes qui se préparent pour cette journée et plein de personnes qui peuvent sortir du lot ce jour-là. Donc, faut pas arriver serein sur la ligne et se dire c'est pour moi. Donc, bon, je ferai ma course et voilà, on verra qui sera le vainqueur après la course. Flamanville, c'est un circuit que t'aimes bien? Ouais, c'est un très beau parcours. Je suis toujours venu courir ici. Sur le circuit de Flamanville, donc oui, c'est un circuit qui me convient. Après, maintenant, il y a plein de personnes qui me demandent si j'aime bien mouiller ou sec. Maintenant, pour moi, c'est peu importe. Donc, oui, c'est un circuit que j'aime bien, c'est un beau tracé. Tu sors de la reconnaissance, comment était le terrain aujourd'hui? Le terrain, c'est par rapport aux années d'avant, c'est un peu plus sec, mais après, ça peut être assez piégeux sur certaines parties où on peut plus vite partir à la faute. Mais non, ça reste quand même assez roulant. Après, voilà, demain, ça va peut-être un peu se dégrader avec les courses, mais non, ça va rester quand même roulant. Mais c'est assez physique, ça reste toujours physique. Parfait. Merci Antoine.